Salut à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Hors-jeu Capital, où on va essentiellement revenir sur cette semaine un peu folle où on a vu un putsch de 12 clubs pour tenter de créer une Super League et qui aura duré finalement 48 heures, 72 heures à peine. Et donc on va revenir là-dessus. On va évidemment dire un petit mot du match d'hier en Coupe de France, victoire 5-0 du PSG au Parc des Princes face à Angers. Mais tout d'abord, je vais quand même vous présenter mes acolytes qui m'accompagnent cet après-midi. Dans un premier temps, je vais présenter, est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Vincent Chaudel, spécialiste de l'économie du sport, du foot en particulier, fondateur de l'Observatoire du sport business et qui collabore toutes les semaines avec Paris United pour cette superbe émission, Le Parc et au-delà. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien, merci, bonjour à tous. Eh bien, écoute, salut et puis merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Je présente ton acolyte qui t'accompagne toutes les semaines dans l'émission Le Parc est là. Alors, il est auteur et notamment d'un livre sur les 50 ans du Paris Saint-Germain qui a été fait en collaboration avec Paris United. Il est co-auteur avec Clément Pernia. Jean-Baptiste Guégan, pardon, professeur d'histoire, spécialiste en géopolitique du sport. Salut JB, comment tu vas? Salut Mousse, salut tout le monde. Moi ça va très bien, hein. On est sur un marathon Super League et le PSG a gagné 5-0, donc je suis ravi. Tout va bien. C'est une Ouais. super forme. C'est une semaine formidable. Exactement. Et il reste plus que City maintenant, on les attend. Et puis, ai-je aussi besoin de vous présenter le coach Yacine Hamned, Yacine qui nous accompagne toutes les semaines pour le podcast Hors-jeu Capital et qui a aussi sa propre émission avec la minute tactique du coach Yacine. Yacine Hamned, comment ça va? Salut à tous, ça va bien, merci. Tout va bien, Yacine? Ouais, ça Heureux? va, ça va. Écoute, ça bouge un peu en ce moment, donc je sais pas si ça va, mais en tout cas, ça met de la vie. On va se poser la question si ça bouge vraiment dans le bon sens ou pas. Alors d'abord, avant de commencer cette émission spéciale Super League, ou fin de la Super League dans cette forme en tout cas, on va revenir rapidement un mot sur le match d'hier. Alors je ne sais pas, messieurs, si vous l'avez vu, parce que c'est Alors. diffusé sur Eurosport 2. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont abonnés ici, sinon vive le stream, hein. C'est pas très égal, mais bon, faut bien qu'on suive les matchs. Un mot, Yacine, sur la rencontre d'hier, victoire 5-0 du PSG avec le retour de Mauro Icardi, un triplé pour Icardi et une rencontre, somme toute, tranquille pour le Paris Saint-Germain qui se dirige vers sa 14e, c'est ça, 14e Coupe de France? Ouais. Écoute, c'était un match sérieux, maîtrisé, un peu à l'image du dernier match à Strasbourg, où on a eu l'impression que le PSG savait ce qu'il avait à faire. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand ils arrivent à plier le match assez rapidement, en fait, ça permet à tout le monde de gérer, au coach de faire tourner, d'éviter les fins de match tendues, les coups, les cartons, voilà. Donc, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, en première mi-temps, il y a deux, trois choses à dire peut-être, où Angers peut essayer de revenir dans le match. Mais globalement, t'as jamais t'inquiété, t'as jamais tremblé. T'as très vite pris le dessus puisque le premier but intervient avant la 10e minute. Tu mènes vite 2-0. Voilà, il y a des choses qui aussi sont satisfaisantes dans le sens où, par exemple, Dagba, on a l'impression qu'il a pris confiance. Voilà, après son match contre le Bayern. Après, comme je le dis toujours, le plus dur dans le foot, c'est toujours de confirmer. C'est pas de faire deux bons matchs, donc pourvu que ça dure, mais en tout cas, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, après, faut espérer le retour des blessés rapidement pour avoir un groupe au complet. Mais voilà, franchement, c'était une belle fin d'après-midi. Je pensais que Angers allait poser un peu plus de problèmes, parce que j'avais dit dans le papier, vu que leur coach s'en va, c'était l'occasion d'essayer de terminer. Du mieux Un possible. dernier baroud d'honneur. Ouais, voilà. Bon, après, il y a trop d'écart à un moment donné. Et puis à la fin, voilà, tu as l'impression que Paris, c'est presque pas de manque de respect, parce que moi, j'aime pas parler de manque de respect dans le football. Mais voilà, quand Di Maria, il fait ça passe en coup du foulard, tu sens que c'est ça y est, bon, il n'y a plus rien, on fait ce qu'on veut, quoi. Il fallait bien qu'il se mette sur son pied gauche en même temps. Ouais. Hein. Il est quand même capable de faire une passe pied droit à cet endroit-là, mais bon. Ah, tant mieux pour le spectacle, j'ai envie de te Ouais, dire. voilà, c'est pour ça. Bon. Vincent, tu as vu le match, toi? Non, j'ai vu les buts. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement,
tout l'effectif semble concerné et revenir à un bon niveau de performance à un moment clé, c'est la fin de saison. Après, on peut se demander aussi si certains joueurs ne choisissent pas leur match, parce que Mauro Icardi a eu une traversée du désert sportive et physique. Et au moment où on se dit que peut-être il pourrait apparaître sur la liste des transferts, il revient et il marque des buts décisifs et il remontre qu'il est un grand attaquant. Donc voilà, c'est les seuls éléments qui me viennent à l'esprit en parlant de ce match. C'est vrai qu'Icardi, il met 4 buts en 2 matchs. Il revient le week-end dernier. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour qu'il reste au Paris Saint-Germain? On est encore loin du mercato. Ce sera peut-être un sujet qu'on pourra aborder lors du débat sur la fin de la Super League. Mais effectivement, il revient bien et on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison. Puis il y a un super match qui se profile la semaine prochaine contre City. Donc, on verra s'il sera prêt. Donc, toi, JB, je ne te pose pas la question parce que malheureusement, tu n'as pas pu voir le match. Non, mais moi je retire le score. On a respecté Angers, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'on leur a fait comprendre qu'il y avait une classe d'écart. Le retour d'Icardi, c'est une bonne nouvelle pour les échéances qui viennent. Je suis d'accord avec Vincent, c'est-à-dire que peut-être que certains matchs au cœur de l'hiver sont moins intéressants, avec la compagnie de sa femme est peut-être plus sympathique. mais en attendant, non, c'est toujours appréciable de voir un buteur comme ça mettre des buts décisifs, délester aussi les autres. Et puis après, ils ont géré. Bon, de toute façon, on savait que sur le papier, il n'y avait pas d'écart il y avait un écart gigantesque entre Angers et le PSG. On sait aussi qu'Angers avait une capacité à nous pourrir. Ça n'a pas eu lieu, donc tant mieux. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a Monaco qui s'est qualifié face à Lyon après un gros, gros match. La fin de saison va être intéressante et surtout face à Lyon, face à Lille et face à l'AS Monaco, on n'a pas fini de parler de lutte pour le championnat. Et puis, City arrive, donc on va se focaliser. Puis il y a la fameuse rencontre Lyon face à Monaco ce week-end. Donc, tout peut basculer dès ce week-end si PSG bat Metz ce week-end. Yacine, un petit mot avant de passer sur la Super League, sur Idrissa Gueye, que j'ai trouvé très bon hier. Tu as l'impression quand même qu'il est de mieux en mieux dans cet effectif, et notamment sur son jeu vers l'avant au milieu dont tu as beaucoup expliqué qu'il avait eu du mal en début de saison, et j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux. C'est un joueur qui est infatigable sur le terrain, qui a récupéré encore beaucoup de ballons, et surtout qui nous montre une autre palette de son jeu, et notamment ce fameux jeu vers l'avant, Yacine. Bah, parce que je pense qu'il y a déjà une philosophie ou des principes un peu différents, c'est-à-dire que Paris est moins dans la conservation, donc automatiquement, il ne doit plus jouer vers l'avant. Mais il y a aussi la confiance. Voilà, il l'a fait, il a réussi. Et en fait, il a pris confiance en se disant, bah ouais, finalement, je suis quand même capable de le faire. Je pense qu'au début, ce qu'on avait dit aussi, ce que j'avais montré dans certaines vidéos, c'était pas qu'une question de savoir le faire ou pas, c'était une question de d'oser le faire, de pas être celui qui perd le ballon. Parce qu'en fait, les joueurs, c'est ça, c'est toujours de se dire, ah, je veux pas être celui qui perd le ballon, on prend un compte, c'est un but, c'est pour moi, etc. Donc, ils prennent pas de risques. Là, en fait, la philosophie, l'équipe, elle est construite pour faire ça. Il l'a fait de plus en plus. Il le réussit. Il prend confiance. Et automatiquement, bah, oui, il est de mieux en mieux. Donc, vu que physiquement, il est bien et que l'équipe correspond un peu plus à ce que lui est comme joueur, bah, les deux, ça match et c'est très bien comme ça. Eh ben, super pour l'analyse, Yacine. On va pouvoir passer au dossier chaud de cette semaine, la fameuse Super League. Je vais commencer par toi, Vincent. Donc, on a appris dimanche dernier, je sais que tu es beaucoup intervenu dans les médias ces derniers temps, mais on va revenir rapidement sur l'annonce de dimanche dernier où 12 clubs ont annoncé la création d'une Super League avec à sa tête Florentino Pérez, président du Real Madrid, et peut-être avec lui aussi Andrea Agnelli, président de la Juve et de l'ECA. Vincent, première question, est-ce que ça t'a surpris cette annonce, même si on savait que c'était dans les tuyaux, mais on a l'impression que ça a été discuté en catimini. Alors je pense que ça a été fait en amont évidemment, mais peut-être que c'est l'annonce qui a été faite en catimini suite justement à la nouvelle réforme de la Ligue des Champions dont devait débattre l'UEFA juste le lendemain. Alors justement, et je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, le timing, non, le timing à la limite qui a pu me surprendre, c'est que ça arrive le dimanche.
Que ça arrive avant le vote et l'officialisation de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'était plutôt logique. En revanche, ce qui m'a plus surpris, c'est que ce soit les clubs qui sortent, alors que jusqu'ici, quand on parlait de Super League depuis le mois de novembre, c'était plutôt dans la bouche de Infantino et de la FIFA. Donc, le fait qu'il y ait un projet de créer une ligue qui garantit aux top clubs d'être présents régulièrement, j'ai bien peur que ce soit le sens de l'histoire. Après, la question, c'est de savoir qui va l'organiser, l'UEFA, la FIFA, les clubs eux-mêmes, c'est ça le débat. Vincent, Mais tu peux nous confirmer que la FIFA avait à peu près la même idée. Alors peut-être c'était le nom qui changeait, c'était une sorte de super coupe du monde des clubs, hein. C'est à peu près ah. ça. Non seulement je peux le confirmer, mais c'est surtout Infantino qui l'a affirmé lui-même en novembre dernier, ce qui, en ce qui me concerne, m'avait énormément surpris parce que Infantino imagine faire, que la FIFA imagine faire une Coupe du Monde des clubs, ça c'était officiel, sachant que Il existe normalement, déjà, Vincent. oui, mais tu as un projet de Coupe du Monde élargi. Qui devrait se faire en Chine à horizon 2023 normalement. Donc ça, on le savait déjà. Mais derrière, ce qu'il a dit en novembre, c'est que lui pensait faire une Super Ligue européenne, justement. Et là, pour le coup, ça devenait surprenant parce que la FIFA, c'est le monde, l'UEFA, c'est l'Europe. Et donc, pourquoi une organisation comme la FIFA viendrait sur le terrain européen? Et c'est lui qui a lancé ce sujet-là. Alors, quand je dis c'est lui qui a lancé, c'est pas tout à fait vrai parce que la Super Ligue européenne, ça fait 25 ans qu'on en parle. On en parlait dans les années 90 avec Berlusconi et le projet Mediapartner. D'ailleurs, si on fait un voyage dans le temps ou si on se fait un retour vers le futur, il y a 25 ans, quand Mediapartner a présenté son projet de Super Ligue, finalement, c'était pour poser 3 à 4 fois plus que l'UEFA au club. Les clubs se sont étonnés, ont commencé à aller voir l'UEFA en disant qu'est-ce qui se passe? L'UEFA a juré ses grands dieux qu'il donnait tout ce qu'il pouvait aux clubs. Les clubs ont dit bon, on va continuer à discuter alors. Et l'UEFA a rappelé les clubs en disant mais finalement j'ai trouvé une solution, on va faire une Ligue des Champions avec plusieurs clubs de chaque pays et ça va aller mieux, on va doubler ce qu'on vous donne. Et là, ce qui s'est passé en 48 heures, c'est que l'UEFA a fait voter une formule qui ne convient pas au top club. Et mardi, dit non, mais on est en train de travailler sur une solution qui devrait rapporter 7 milliards. Ce que je trouve assez fort, c'est que l'UEFA est capable, en même pas 48 heures, de trouver des financements qui pourraient satisfaire les clubs. Ça, c'est assez magique. Jean-Baptiste, ta réaction, toi, quand tu as appris effectivement dimanche soir la création de cette super ligne, et surtout au niveau du timing? Bah, le timing, je suis d'accord avec Vincent, il était surprenant parce que si tu veux créer un rapport de force, tu fais ça, maintenant tu pars pas à 12. S'ils étaient partis à 25 ou à 30, c'est-à-dire avec les 30 plus gros clubs européens, ils seraient allés au bout. Là, à 12, d'abord, ils se privaient du marché allemand, qui est quand même l'un des marchés les plus importants, ils se privaient du marché français, et ça sentait la cavalcade impréparée, quoi. Ça sentait le projet finalement relativement bancal, et on l'a vu très vite. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la réaction politique, c'est-à-dire qu'on a eu une mobilisation politique, mais incroyable. Les autorités françaises et européennes ont réagi beaucoup plus vite qu'au moment de la pandémie. Ça dit beaucoup de choses. La France avait déjà réagi vite au moment de la pandémie, mais mal. Mais mal. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et ça, je souris autant que Vincent, c'est que quand la FIFA est capable d'aller chercher 7 milliards d'euros en 48 heures, trouvez-moi un endroit où on est capable de négocier ça, sauf si on n'a pas déjà négocié en amont. Et donc, peut-être que c'est quelque chose qu'ils avaient prévu de faire en temporisant peut-être après le Covid. Mais là, on entre dans une nouvelle ère du football financiarisé, un peu sur le même modèle que ce qu'on voit avec le rugby, hein, c'est-à-dire l'arrivée de fonds d'investissement. Alors là, c'est une banque, mais c'est déjà le troisième projet, hein. Le projet d'Infantino s'appuyait sur des intérêts saoudiens, américains et notamment la banque japonaise SoftBank. Là, on entre dans une nouvelle ère du foot. C'est pour ça que quand j'entends certains dire « Ah, c'est super, le foot populaire a gagné », non. Parce que la Super League dont on se prive là, on va arriver avec un monstre à côté et ce ne sera pas du foot populaire. Donc, c'est bien, les gens ont pris conscience que le foot avait une importance. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas être naïf ni rêver trop.
Yacine, bon, même si je connais un peu ton avis, mais toi qui viens du foot amateur et notamment t'es un peu quand même un spécialiste de la formation des jeunes joueurs de foot, tu es passé par notamment Thonon et Evian Gaillard, qui n'existe plus aujourd'hui, mais tu as été responsable de l'école de foot là-bas. Toi, en tant que, j'allais dire, footballeur amateur, mais qui vient du foot amateur, quelle a été toi ta réaction, Yacine? Bah, il y en a eu deux. La première, c'est de se dire que de toute façon, encore une fois, on va nous ressortir ça et que, à force d'ouvrir des portes, parce que là, on parle des clubs, mais finalement, le vrai responsable de tout ça, c'est l'UEFA. Puisque à chaque fois qu'il y a un semblant de pression, ils ouvrent une porte, ils ouvrent une deuxième porte, ils ouvrent la fenêtre, ils ouvrent les chambres. Donc, à un moment donné, eux et les autres, ils rentrent et puis après, ils s'installent. Donc, c'est juste logique. La deuxième chose, c'est que je me suis dit. En fait, ce qui me dérangeait en fait dans tout ça, c'est la hiérarchie établie. Et en fait, quand tu connais l'histoire un peu du foot, la hiérarchie d'aujourd'hui, c'est pas la même que les années 70. C'est-à-dire que si cette Super League avait été créée dans les années 70, il y aurait eu peut-être même pas, allez, il y aurait eu deux ou trois de ces 12 clubs. Si elle avait été créée dans les années 90, il y aurait encore eu 8 des autres de 12 de 70, et il n'y aurait pas encore eu les 12 d'aujourd'hui. Donc moi, ce qui me dérange, c'est que finalement, il y a des clubs ici qui vont profiter de quelque chose d'aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, ils n'auraient pas existé. Et pour moi, c'est le vrai problème, c'est ça, en fait. C'est la hiérarchie à vie. En gros, on est les plus forts aujourd'hui, donc on veut être les plus forts toute notre vie. Et le foot, le sport, c'est pas ça. C'est comme si je te disais, pour les Jeux Olympiques, les qualifiés, c'est tous les mêmes tant qu'ils sont vivants, en fait. Ben non, c'est pas possible. Ça correspond pas au foot, même si je suis archi conscient que c'est le sens de l'histoire, dans le sens où on veut toujours plus d'argent. Et d'ailleurs, bon, on y reviendra après, je pense, sur les déclarations de Florentino Pérez et tout, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que j'ai 800 millions, c'est pas assez. J'aurai 1 milliard, ce sera toujours pas assez. J'aurai 1,5 milliard, ce sera toujours pas assez. Mais en fait, c'est quoi le but? Parce que toutes les excuses des grands clubs, en fait, elles s'entendent vis-à-vis de l'UEFA. C'est-à-dire qu'effectivement, l'UEFA brasse beaucoup d'argent et n'en reverse sûrement pas assez. Mais par contre, elle ne s'entend pas à l'échelle humaine. Tu peux pas toujours dire, oh, mais on peut plus payer des salaires. Mais qui t'a demandé de donner des salaires à 120 millions d'euros à des joueurs? Personne. Donc voilà, nous, on touche 2 000, 3 000 euros par mois. On vit avec 2 000, 3 000 euros. Il n'y a personne qui va me dire, vas-y, claque 5 000 par mois. On va t'aider après, on va te trouver une solution. Ben non, ça n'existe pas, ça. Donc voilà. Vincent, Yacine a mis les deux pieds dedans, le nerf de la guerre dans cette histoire. Évidemment que c'est l'argent, et on a entendu quelques déclarations récemment, et notamment Florentino Pérez hier chez nos confrères de la Cadena SER, qui s'est exprimé sur Mbappé et Haaland en disant que sans cette Super League, on ne peut plus faire ce genre de deal. Mais la responsabilité première est celle des clubs, Yacine vient de le dire. Si on prend les derniers mercatos, notamment de Barcelone, de Manchester City, qui a beaucoup dépensé, je vais pas faire toute la liste parce qu'elle est longue, mais les premiers responsables de ça, Vincent, c'est bien les clubs, on est d'accord. Moi, je ne connais pas effectivement un président de club qui ait eu le pistolet sur la tempe pour signer un contrat avec un joueur et un salaire. Donc, évidemment. Alors, on peut dire aussi que c'est les joueurs et les agents qui jouent la surenchère, mais tous autant qu'on est, si on peut négocier un salaire plus élevé, on le fera. Donc, charge à celui qui le propose de vérifier qu'il en a l'économie et qu'il est en capacité de la payer, de le payer en fin de mois. Donc oui, on est d'accord. Maintenant. Et je rejoins Yacine dans ce qu'il vient de dire. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que si on regarde bien aujourd'hui, on a une pyramide avec la FIFA qui est en haut du football mondial, l'UEFA qui est en haut du football continental, pour nous européens, la Fédération française qui est en haut du football national, la Ligue, les clubs, puis les joueurs. Si ce projet de Super League avait existé, eh bien, c'était les clubs et les joueurs, les grands gagnants. Le seul problème, c'est que ce n'était pas tous les clubs. C'était que les clubs qui participaient à cette compétition. Donc, je crois que la grossière erreur de ce projet de Super League, c'était ce que disait JB, c'était de ne concerner que 12 clubs, dont 6 anglais. Donc, c'est-à-dire que
un projet qui donnerait le pouvoir au club et donc aux joueurs, puisque les clubs ne sont rien sans les joueurs, mais au club de façon plus large, plutôt qu'à des fédérations ou des confédérations, parce que là, Yacine aussi l'a dit tout à l'heure, on est sur la Ligue des Champions, c'est une vache à lait pour l'UEFA. Sauf que l'UEFA, elle redistribue aux clubs qui participent à la compétition, certes, et après aux fédérations. Mais ceux qui créent la valeur, c'est bien les clubs qui, pour créer de la valeur, investissent dans leur stade, dans leurs joueurs. À un moment donné, quand tu crées la valeur, tu veux aussi avoir un retour sur l'investissement que tu as fait. Donc, le sujet, il est là. À un moment donné, il est important d'avoir une forme de solidarité parce que un joueur comme Haaland, par exemple, si demain il est à City, au Real ou ailleurs, c'est pas City, le Real ou ailleurs qui l'aura formé. Il aura été formé en Norvège au départ. Et voilà, donc faut garder ça à l'esprit, c'est que il y a un lien entre les top clubs et le football de base. Ce lien, c'est les gamins. Jean-Baptiste, pour revenir un peu sur le nerf de la guerre qui est l'argent, le principal argument qu'ont tenu les 12, on les appelait d'ailleurs parfois dans la presse les 12 salopards en référence au film. L'argument qu'ils opposaient, c'était qu'effectivement, la Champions League étant la plus grosse compétition, même au niveau mondial, hein, même si ça concerne que les clubs européens, ça génère énormément d'argent en termes surtout de droits télé, et qu'on reproche à l'UEFA, finalement, de ne pas repartager équitablement les sommes qu'ils ont gagnées, parce que même si l'UEFA est une association à but non lucratif, c'est peut-être l'association à but non lucratif la plus riche du monde. On est d'accord, Jean-Baptiste? Alors, il ne faut pas oublier le CIO, hein, qui est pas mal non plus, hein, la Ah oui, FIFA, c'est qui a vrai. ce superbe statut associatif. C'est vrai. Oui, alors, moi, j'ai bien envie de pleurer sur les top clubs, hein, sur ces clubs qui sont des clubs historiques, etc. Maintenant, moi, je me souviens des matchs de l'Atalanta Bergame, qui est un de ces clubs historiques. Je me souviens aussi de l'Ajax, qu'on présentait comme un petit club il y a encore quelques semaines par rapport au budget du Barça, au budget de City. Moi, je ne pense pas que ce soit la répartition équitable. Je pense que, effectivement, l'UEFA va redistribuer énormément. Je pense que les clubs avaient envie de garder la part la plus importante du gâteau. Et ils ont un fantasme, hein. C'est la franchise à l'américaine, c'est-à-dire ce modèle de ligue fermée où tu as surtout aucune chance de perdre parce que tu es toujours là. Le problème d'Agnelli, par exemple, et de la Juve, c'est que là, si on regarde le classement en championnat, ils étaient à la limite de ne pas participer à la C1. Et donc, on appelle ça un accident industriel. Tout comme Liverpool, hein, Jean-Baptiste. Exactement. Et donc, ce qui leur pose problème, en réalité, c'est l'aléa sportif. Parce que derrière, si tu n'as pas d'aléa sportif ou si tu en as moins, ce qu'a très justement dit Guardiola pour éviter de se positionner, il a dit qu'il fallait que, quand on gagne, il y ait le risque de perdre. Il n'est pas revenu sur la Super League, mais il a dit ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ces top clubs-là, ils veulent pouvoir continuer à engranger des sponsors, à s'approcher éventuellement d'investisseurs différents et à multiplier les partenariats rentables pour justement continuer à croître et être attractif sans aléas sportifs. Ce type, moi, d'initiative comme la Super League, ce qui pose problème derrière, c'est que d'abord, ça fait sortir de très bonnes idées. De la régulation des salaires, de la régulation des transferts, le fait de véritablement prendre conscience de ce qu'est la formation, mais ça fait aussi ressortir d'autres idées. C'est que derrière, les championnats à 20, c'est plus intéressant et on commence à voir cette petite musique arriver. Peut-être aller sur des championnats à 18, peut-être aller sur des championnats, c'est l'idée de Nasser, hein. Aller sur des championnats, peut-être, on a parlé de championnats à 16, ça paraît compliqué. On va avoir de vrais sujets qui vont se positionner, enfin qui vont se poser. Cette Super League là qui arrive, enfin, cette nouvelle version de la Ligue des Champions, elle va multiplier les matchs. Quand vous aurez en fin de semaine un PSG Amiens ou un PSG Dijon, bon, Dijon sera plus là, mais en tout cas, et en milieu de semaine un énième match contre un gros européen, vous ferez quoi? Est-ce que vous regarderez les deux? Est-ce que vous en regarderez même un des deux? Parce que les matchs du PSG, honnêtement, jusqu'aux phases d'élimination, c'est compliqué. Je trouve qu'on a tendance à oublier la rareté du produit. Il faudrait qu'on voit moins de...
C'est paradoxal, hein, moins de foot. Bah Yacine, je vais te lancer sur sujet, justement, sur la rareté des matchs. La Ligue des Champions, elle démarre en général fin août. Ensuite, tu as une pause pendant la trêve hivernale et ça reprend juste après. Est-ce que, dit Jean-Baptiste, j'imagine que tu es d'accord. Si toutes les semaines, tu vois un Juventus Arsenal, un Barcelone-Manchester City, est-ce que finalement, ça n'aurait pas fini par lasser le public? Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, après la reprise des championnats, après le premier confinement, il y a eu beaucoup, beaucoup de foot. Et encore aujourd'hui, on avait cet été, par exemple, 2-3 matchs par jour. Et j'ai l'impression que ça a fini un peu par lasser les téléspectateurs parce qu'il n'y avait plus de public accepté dans les stades. Donc, tout se faisait via la télévision, pardon. Est-ce que ça aurait un peu, je sais pas moi, appauvri un peu au niveau sentimental, au niveau émotion, cette Super League, Yacine? Oui, alors juste je fais une précision, parce que tout à l'heure tu as parlé de loi 1901, juste quand même c'est du droit suisse quand même, donc on n'est pas tout à fait sur les statuts des associations françaises hein, quand même, c'est un petit peu différent. Oui, bien sûr que c'est la rareté, parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, et même moi, parce que je regarde beaucoup de matchs, je regarde certains matchs pour me dire je vais rien rater plus que par envie ou par passion. C'est-à-dire qu'on te donne du match, tu te dis ouais tiens, il y a Chelsea-Liverpool, bon je vais peut-être me mettre devant parce que ça peut être un bon match. Il y a une chance sur deux que ce soit pas un bon match, soit un match fermé, mais tu y es parce que tu veux pas rater quelque chose. Et effectivement, tu t'en lasses parce qu'au bout d'un moment, tous ces matchs-là, tu as Chelsea-Liverpool. En championnat d'Angleterre, puis tu les retrouves en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, donc bien sûr que c'est la rareté qui fait. Et c'est pour ça que je ne suis pas nostalgique de l'ancienne Coupe d'Europe en tant que vieux con, on va dire, ouais, avant c'était mieux. Je suis nostalgique de l'ancienne Coupe d'Europe dans le sens où elle permettait de voir des matchs. Qu'est-ce qui a fait le charme de la Coupe d'Europe, en fait? C'est d'avoir un Bucarest-Real Madrid, un match que tu vois rarement, et en plus avec un Bucarest qui est capable de tenir tête au Real Madrid. C'est pas juste d'avoir le Real Madrid-Barcelone. Regarde d'ailleurs, Real Madrid-Barcelone, même si c'est le classico, on voit bien cette saison. Alors en plus, il y a le contexte et le public, etc. Mais on voit bien quand même qu'il y a des moments où le Real-Barça, il ne compte plus. Il y a toujours de l'audience, attention, c'est pas ce que je dis. Mais il y a moins d'engouement, il y a moins de. Parce que quand c'est le quatrième de la saison, ils se sont rencontrés deux fois en championnat, une fois en Coupe d'Espagne. Il suffit qu'ils fassent en Ligue des Champions, ils se rencontrent. T'as compris, c'est bon, c'est le match de trop, quoi. Et c'est pareil pour la Ligue des Champions, regardez bien, à part la finale, souvent le match entre deux clubs d'un même pays en quart de finale, et c'est pour ça que l'UEFA avait choisi au départ de ne pas mettre d'équipe du même pays et en poule et jusqu'en huitième, parce qu'en vrai, t'as l'impression d'assister à un match de championnat, donc tu sais plus où t'en es, est-ce que t'es en Coupe d'Europe, est-ce que t'es en championnat, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est... Donc, oui, c'est la rareté qui crée ça, mais en fait, à l'inverse, il y a aussi une demande de gros matchs. Donc, nous, on veut de la rareté, mais de la rareté habituelle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai exagéré un peu. On veut du gros match tout le temps, mais on veut de la rareté. Voilà. Donc, eux, ils jouent avec ça. Je pense moi, qu'en fait, ils se trompent dans le processus de recherche. C'est-à-dire qu'on veut nous revendre plus de Real Juve, Real Barça, enfin, Inter Barça, etc., pour attirer du monde. Alors que pour moi, en fait, ce n'est pas ça qui va attirer du monde. Il y a deux choses qui vont attirer du monde. Ce sont les émotions. Parce que regarder un match où il ne se passe rien. Tu vois, par exemple, la dernière journée de la poule de Ligue des Champions, il y a plein de matchs, on ne les regarde même plus parce que le classement, il est établi. Et pourtant, il peut y avoir un Barça-Juve. Si le Barça est déjà en tête, on ne le regardera pas le match. Ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas d'enjeu. Et il y a le côté... on sort de notre train-train. Voilà, la Coupe d'Europe, c'était ça, en fait. C'était on sort de notre train-train. Mais si ta Coupe d'Europe, elle devient quelque chose de... Bah, ça devient ton train-train. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'émotion. Voilà, et je pense que la recherche, elle n'est pas faite dans le bon sens de toutes les réformes, parce que la réforme de l'UEFA, que l'UEFA a proposée aussi, je crois qu'elle est encore pire. Alors, dans l'absolu, les clubs, c'est parce que les clubs l'ont choisi et la Super League, mais la réforme de l'UEFA, elle est pire que la Super League. Carrément. En termes de calendrier, de match, etc., de comment elle est organisée, c'est une catastrophe.
Bah justement, Vincent, on va revenir sur cette nouvelle réforme qui devrait normalement débuter pour la saison 2024-2025. Cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions avec 4 équipes supplémentaires, on passerait de 32 à 36 clubs, plus de matchs aller-retour, c'est 4 poules de 9, il me semble, et puis aussi la possibilité pour des clubs qui ne seraient pas qualifiés directement via leur championnat, mais en fonction de leur indice UEFA, de pouvoir participer à cette Ligue des Champions. Donc il y a aussi, dans cette nouvelle réforme, un côté un peu injuste, Vincent. Oui, mais ça fait déjà un petit moment qu'il y a des formules injustes finalement dans les formules de l'UEFA. Je pense que Yacine a mis le doigt sur le sujet et JB aussi sur cette notion de rareté, mais je pense qu'en fait, ce que les instances auraient dû retenir de la Covid, c'est que il y a un encombrement du calendrier. Il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs et il aurait fallu que chaque étage prenne conscience de ça. C'est-à-dire, on a besoin de moins de matchs d'équipe nationale, moins de matchs de Coupe d'Europe, moins de matchs de championnats nationaux. C'est une réalité. Si on regarde bien notre championnat à 20 clubs, ça fait, allez, on va être gentil, ça fait pas loin d'une dizaine d'années qu'on fait un championnat à 20 clubs avec 17 à 18 équipes quasiment. On a toujours une, deux, voire trois équipes carrément décrochées. À un moment donné, c'est clair qu'on veut toujours voir des beaux matchs, mais on disait tout à l'heure sur Icardi par exemple, les joueurs choisissent. Ouais, mais si on regarde le nombre de matchs qu'un top effectif peut jouer dans l'année, on se rapproche de 50 à 60. Ça devient des chiffres de fou. Donc, à la limite, des fois, on peut se mettre à la place des joueurs et comprendre aussi que vous mettez le nom que vous voulez parce que je veux vexer personne, mais qu'un PSG, ce que vous voulez, à un moment donné, le On a joueur, l'habitude, nous, il de a envie citer de se mettre Dijon, à à peu près. Pardon? On a l'habitude, nous, de citer Dijon, à chaque fois, comme exemple. Allons-y pour Dijon. Un PSG Dijon, je pense que certains joueurs doivent vraiment se forcer pour rentrer motivés. Et avec tout le respect qu'on doit à Dijon, bien évidemment. Donc, si, et moi, quelque part, je suis frustré en tant qu'amoureux du sport et aussi avec le regard business du sport. Je dis, mince, la Covid nous a contraint l'UEFA à faire le Final 8. Je pense que le Final 8, c'est une très bonne formule. Une très bonne formule où on a des phases de poule avant qui permettent de garantir un minimum de business au club. Et après, on a un événement avec des matchs couperets. Chaque match était des matchs couperets. Et c'est ça, quand Yacine parle d'émotion, ce qu'on a tous, ce qu'on se rappelle tous quand on était gamin, parce que je crois qu'on est plus ou moins de la même génération, à regarder nos coiffures respectives. Voilà, les matchs où si on gagne pas au bout de la 90e, bah, c'est fini, on regarde la télé. Ça a une saveur particulière. Moi, un de mes plus grands souvenirs, c'est le PSG Bucarest de fin août, où le PSG perd à l'extérieur sur tapis vert. Et c'est le dernier match de Leonardo, je crois, C'est avec ça. le PSG. Voilà, ce match-là, quelle émotion. Et voilà, bon, c'est ça qu'on a envie de vivre. Et c'est sûr que dans des formules, et je rejoins Yacine là-dessus aussi, la formule de l'UEFA, là, elle est pire que la formule de la Super League. Le problème de la Super League, c'est le casting de la Super League. Mais la formule, elle est bien plus efficace. C'est clair. Jean-Baptiste, on a vu ton, pardon, ton avis là-dessus, justement sur cette nouvelle réforme. Est-ce que Vincent vient de le dire, c'est peut-être pire que cette version de la Super League, sauf que eux, ils étaient 12 et que ça allait sans doute finir à 15-20. Là, il y a 36 clubs, mais est-ce que cette nouvelle réforme de Ligue des Champions risque aussi de causer du tort, pas mal de tort, aux championnats nationaux? Que ce soit en Ligue 1, en Bundesliga, en Serie A, tout ce que tu veux, justement à cause de la multiplication des matchs. Excuse-moi, je voulais dire par rapport à ce que disait JB et puis par rapport à ce que tu lances là, gardons à l'esprit que le grand calcio de Maradona, de Platini et autres, ils étaient 16. Hein. Ouais. Voilà.
était 16. Ouais, je suis d'accord avec Vincent, c'est-à-dire que il y a un moment donné, nous on a grandi dans un moment où on voyait pas d'abord tous les matchs. On avait que les résumés le dimanche soir et on voyait que le meilleur. Un peu ce que la NBA offre aujourd'hui avec ses highlights. Aujourd'hui, on peut voir 4-5 matchs de foot par jour. Alors, on est trop vieux, on a une vie, nous, on les voit pas tous. Mais il y a une forme d'épuisement. Et cet épuisement, on la voit chez les joueurs aussi. On n'a jamais eu autant de joueurs qui soient cramés psychologiquement. On voit aussi l'efficacité des coachs. Avant, il n'était pas rare d'avoir un coach qui restait 4-5 ans sur un banc. Aujourd'hui, on parle de cycles. Et les cycles, quand on regarde, en championnat d'Angleterre, c'est un tout petit peu plus d'un an. Et à l'échelle européenne, c'est un an et demi en termes de longueur. Ça veut dire qu'il y a un épuisement des acteurs. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que la nouvelle réforme de l'UEFA, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'ils ont encore bidouillé un truc en se disant « il faut qu'on arrive à satisfaire tout le monde sans faire de véritable révolution ». Et j'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. Moi, quand on m'a posé la question de savoir comment fonctionnait cette nouvelle ligue, je vais être très honnête, hein, et comme beaucoup de journalistes avec lesquels on a pu discuter en off, tout le monde se disait « c'est quoi ce bordel ? C'est illisible ». Et la deuxième chose, c'est quand on a vu la Super League arriver, on s'est dit « ah, au moins c'est clair, alors ça ne tenait pas ». Mais entre la peste et le choléra, j'ai peur que la Super League, elle nous a fait peur pendant 72 heures. L'autre, on va se la traîner pendant un bout de temps. C'est peut-être pas la meilleure solution à l'heure où la NBA grandit. C'est peut-être pas la meilleure des solutions au moment où la FIFA a un projet. Parce qu'une fois qu'elle aura mis le doigt dans la Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce qui l'empêche de monter au-dessus? Et là, notre super football européen ne sera plus le football dominant. Je pense que cette absence de réforme véritablement efficace de la Ligue des Champions, et je suis entièrement d'accord avec Vincent là-dessus, va poser un problème. Parce qu'à un moment donné, les clubs diront « vous êtes bien mignons, mais nous, on a des dépenses qui augmentent ». Je crois que le Barça, c'est plus de 65% de ses revenus qui partent en salaire. C'est lunaire. Là, on a vu les chiffres des salaires de Messi. C'est plus de 125 millions d'euros de revenus. Alors, évidemment, tout ne vient pas du foot, mais il y en a quand même quasiment les trois quarts. Ça pose beaucoup de questions parce que derrière, il y a tout le côté sociétal, il y a tout le côté formation. Et là, ça va parler à Yacine. L'argent pour les gamins, il est où? On l'a vu avec cette pandémie, on a vu des stades vides. Si vous enlevez une variable, le spectacle footballistique s'effondre. C'est beaucoup moins intéressant. Si vous multipliez les matchs, vous vous ennuyez. Et les gosses derrière, ils font autre chose. Moi, tout le discours, par exemple, des Agnelli, Perez, en disant « mon gosse, il a moins de 25 ans, il est incapable de tenir plus de 3 minutes devant autre chose qu'un écran qui bouge. » Ouais, mais pourquoi? Parce que derrière, tu as mis une équipe en bois contre ton autre équipe qui n'a pas envie de jouer, que les mecs, ils en sont à leur 55e match de la saison, et que tu n'as pas réfléchi à ça. Et le risque aussi qui se profile, c'est le discours de Perez. Si tu ne peux pas changer le format de compétition, tu changes le format du jeu. On a déjà eu le fameux VAR. Alors, on a vu ce que ça donnait. Là, ils réfléchissent à enlever les prolongations, en tout cas à changer la règle du but à l'extérieur. Avec ce discours-là et l'absence de courage sur les formules, ils vont nous changer le cadre. Et ils vont nous réduire les matchs. En tout cas, ils y pensent. Les fameux pénalty tirés à partir du milieu de terrain façon MLS dans les années 90. Là, je trouve qu'on est rentré dans une période de turbulence pour le foot européen. Si on ne prend pas de décision maintenant, le football tel qu'on l'a connu, alors ça fait peut-être vieux con, hein, j'assume, ce ne sera plus le même. C'est déjà plus le même. Moi, ça m'intéresse moins. Yacine, on a pu voir depuis dimanche beaucoup de réactions d'acteurs et du monde du foot, que ce soit joueurs, entraîneurs, certains présidents de clubs aussi qui ont dénoncé ça. Et puis, t'en as d'autres qui n'ont pas voulu parler. L'exemple le plus criant, c'est Zidane. Alors, évidemment, qui est dans une position un peu particulière parce que son président est le chef de meute de ces 12 clubs. Est-ce que, selon toi, ça a contribué aussi à la marche arrière, notamment des clubs de Première Ligue, le fait que deux grands entraîneurs se positionnent contre leur club? Et là, je parle de Jürgen Klopp et de Pep Guardiola pour Manchester City. Alors, on va dire, je pense que ça a joué. Je ne pense pas que ce soit ça le vrai impact. Le vrai impact, pour moi, et notamment sur les clubs des Premières Ligues, c'est le comportement des supporters. Parce que finalement, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir vendre une compétition très chère et vendre tout ce qui va autour? C'est tes supporters. S'ils ne s'abonnent pas aux chaînes de télé, s'ils n'achètent pas tes maillots, s'ils ne viennent pas au stade,
Il n'y a rien qui sera rentable. Donc, le fait de voir des supporters de Liverpool écrire RIP Liverpool, en gros, notre club est mort, on ne sera plus là, ça, je pense que c'est une vraie prise de conscience en disant, bon, à un moment donné, on va être obligé de faire avec. Alors, on va essayer de limiter la casse, mais on est obligé de faire avec. En fait, en gros, là, c'est les supporters, mais pour moi, ce que eux considèrent, tes clients. Si tes clients ne viennent plus au stade et s'abonnent pas aux chaînes de télé, quelle chaîne de télé va dire, nous, on achète les droits pour 1 milliard, mais sans abonnés? Mais ça n'existe pas. On l'a vu avec Mediapro, d'ailleurs. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas vivre sans tes supporters. Et c'est pour ça que les réactions des supporters, quand elles restent justement dans la norme, parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'excès. Ça a été très propre ce qu'ont fait les supporters anglais. Bloquer l'entrée au stade aux joueurs pour dire non, nous, à limite, on ne veut même pas que vous alliez jouer. Le message, je crois que c'est les supporters de Chelsea qui disaient, nous, on veut notre Chelsea Burnley, aller se geler à Burnley en plein décembre. Mais en fait, c'est ça ton truc. Donc, si toi, même en tant que propriétaire, ok, tu es là pour faire de l'argent, mais si tes suiveurs ne viennent plus, bah, ton projet voit à l'échec. Et je voulais juste rebondir un peu là-dessus sur ce qu'a dit JB tout à l'heure sur les retombées sur le foot amateur, les jeunes et tout. Mais en vérité, si on s'occupait des chiffres, il faut savoir par exemple qu'en 2018, c'est un papier qui est dans l'IB, donc accessible à tout le monde. En 2018, la Fédération française avait un budget d'autour de 250 millions d'euros. Ce qui était reversé au football amateur, c'était 15 millions d'euros. La masse salariale des cadres de la Fédé, c'était autour de 45 millions d'euros. Incroyable. Quand tu vas à la fédération, tu as plus de monde qui travaille dans le marketing que dans la forma, enfin que d'éducateurs, etc. Voilà. Je pense que quand tu as dit ça, en fait, tu as tout dit de ce qu'est le football aujourd'hui. Mais malgré tout, ils le savent parce qu'ils le répètent souvent. Donc, ils essayent de cacher un peu tout ça. Mais sans les clubs amateurs, sans les petits clubs, il n'y a pas de football. Si demain, tu n'as que les grands clubs qui peuvent jouer au foot, OK, ils vont récupérer des jeunes joueurs. Mais en fait, tu n'auras pas tout ce marché, tu n'auras pas toute cette population, parce que tous les gamins qui. Mbappé a bondi. C'est-à-dire que si Mbappé ne joue pas à Bondy, il ne jouera pas au PSG à 8 ans. Donc s'il ne joue pas au PSG, il ne jouera pas au foot, en fait. Tu vois? Donc, voilà. Et encore une fois, pour aller un tout petit peu plus loin sur les déclarations de Florentino Pérez, quand Florentino Pérez dit c'est pas normal que des petits clubs vivent des transferts alors que le Barça est endetté, tu sais quoi? Mais va, forme tes propres joueurs. Tu veux pas les acheter, forme-les. Maintenant, qui t'a obligé à acheter Hazard 120 millions qui joue pas un match? Personne. D'ailleurs, Yacine, c'était quand même la force du Barça avec leur centre de formation, la Et Masia, ben, c'était une de leurs forces bien de sûr. pouvoir produire leurs propres joueurs. Et comme par Et hasard. on en a vu certains comme Messi, par exemple, entre autres, hein, mais il Et n'y a comme. pas que lui. Et on a l'impression que ce modèle a complètement disparu. Justement, comme par hasard, le Barça est très endetté au moment où il a enchaîné les transferts avec Griezmann 120, Dembélé 140, Coutinho 130. Et après, il y en a plein de petits comme des Paulinho 45, etc. Et même Alors qu'avant, Brespret, hein, à quasiment 20 millions. voilà, alors qu'avant, tu formais tes propres joueurs et tu en achetais un ou deux. Donc, en fait, c'est aussi toi. Et Florentino Pérez, il est bien placé pour dire ça, parce que c'est quand même lui qui a fait exploser le système des transferts avec Zidane, parce que c'est le premier vrai gros transfert. Et après, tu vois, Zidane, 75 millions. Aujourd'hui, c'est un joueur lambda, 75 millions. Aujourd'hui, en dessous de 100 millions, il n'y a presque plus de transferts, tu vois. Quand tu vois que le Barça a juste fait 3 transferts à plus de 100 millions, t'as compris. Et pas sur des stars confirmées. Hein. Donc, voilà. Vincent, pour continuer ou prolonger le débat que je viens de lancer avec Yacine, on a l'impression quand même que, d'une part, dans les années 80, avec le hooliganisme en Angleterre et le fait d'avoir banni tous ces entre guillemets supporters hooligans et en faisant grimper le prix des places des stades hein, en Angleterre, et aussi dans les années 90, l'arrêt Bosman, on a l'impression qu'on ne parle plus vraiment de supporters, mais plus de supporters consommateurs. Et tout est fait dans ce sens, Vincent. Et oui, et évidemment, parce que là, le projet Super League semble avorté. Mais pour moi, il n'est pas avorté, il est décalé. Alors, ça ne sera peut-être pas sous cette forme-là, avec ces noms-là, mais c'est, je pense, le sens de l'histoire. Et pourquoi ça marchera ou ça marcherait?
Parce que ce type de projet, c'est un projet, c'est des projets qui sont, moi j'appellerais des projets mass market. Ce n'est pas un projet dédié aux ultras. Oui. Ce n'est pas des projets dédiés même aux fans. Je dis, il y a les ultras, il y a les fans, il y a les amoureux de foot, et puis il y a les consommateurs. Il y a monsieur et madame tout le monde qui se dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Ah bah tiens, je vais emmener ma belle-mère là qui vient sur Paris. J'ai trouvé deux places et puis je l'emmène au parc. Je ne sais pas si c'est ce que je ferai avec ma belle-mère, mais bon. Pourquoi pas? Mais c'est ça le marché. Parce que une ville comme Paris, c'est des millions de touristes. Et si tu visites Paris, tu reviens avec une photo et une tour Eiffel métallique. Et puis si tu as pu emmener quelqu'un au Parc des Princes, tu as fait le taf. Eh bien, moi, j'ai des amis qui ont pu aller à Manchester. Leur grand plaisir, c'était d'aller voir un match à Old Trafford. Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que quand la famille Glazer a racheté Manchester United, les amoureux, les historiques, les fans de Manchester United étaient vent debout contre ça. Et ils ont créé leur petit club à côté. Petit club qui est parti tout en bas et qui monte petit à petit, mais qui est reparti de bas. Pour autant, Old Trafford, c'est 95% de taux de remplissage. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur ce genre de projet, la réaction des fans sur ces dernières journées est très belle et sincère, il n'y a pas de problème. Je pense que déjà, dans les six clubs anglais, il est intéressant de voir quels sont les propriétaires des clubs anglais. La plupart du temps, ce sont des Américains, donc ils n'ont pas cette culture fine de Alors ça, l'ancrage. pour Arsenal, Vincent, c'est ça, pour Arsenal, Manchester Arsenal United. pour Liverpool, pour Manchester United, ce sont tous des ricains. Abu Dhabi pour Manchester City. Oui, Abu Dhabi, enfin, Manchester City, c'était un des derniers Anglais à signer. C'est vrai. Mais parce que la fronde, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'en septembre dernier, les clubs anglais portés par Liverpool et Manchester United, donc par les Américains, ont déjà proposé une transformation de la Première Ligue pour passer de la Première Ligue de 20 à 18. Alors que les Anglais, ce que disait Yacine, ils sont attachés à leur Chelsea Burnley, ils sont attachés à leur Hull City, Watford, etc. Ça fait partie de leur histoire Mais et ils aiment ça. d'ailleurs, déjà, quand il y a eu cette idée de réforme, il y avait 6 ou 7 clubs qui avaient demandé à avoir tous les pouvoirs sur la première ligue, justement. Déjà, en disant que ce n'est pas un vote des 18, des 20 clubs de première ligue, c'est en gros nous, les gros clubs, qui allons décider pour tout ce qui va se passer pour la première ligue. Donc il y avait déjà aussi cette idée de Bien contrôle sûr. de 4 ou 5 Bien forts, sûr. quoi. Bien sûr, parce que dans la vision des Américains, des propriétaires américains de ces clubs-là, l'idée c'est de se dire, si je réduis ma compétition domestique, j'augmente le temps disponible pour ma compétition continentale. Et c'est évidemment la compétition continentale qui va me permettre de lever plus d'argent, parce que je vais concerner un marché plus grand. C'est pour ça que je dis que ce sont des projets mass market. Que l'on pourrait faire sur un tableur Excel tranquillement. Et à la fin, est-ce que ça marchera? Ben, ça marchera si et seulement si dans ce projet-là, il y a les meilleurs joueurs. Parce que les fans qui sont contre, si dans cette compétition-là, on retrouve Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Haaland, et que de l'autre côté, on retrouve, mettez les noms que vous voulez, comme ça je m'exprime. Mounassar, Choupo-Moting, non, je rigole. Par exemple, eh ben, je fais le pari que finalement les ultras, les fans iront en rageant, ils iront voir parce que ce qu'on veut, et Yacine l'a dit tout à l'heure, c'est avoir de l'émotion. Et ces top joueurs-là, ce sont eux les générateurs de l'émotion. On parlait tout à l'heure de la passe avec le coup du foulard de Di Maria. Bon, est-ce qu'il y a un manque de respect pour Angers? Peut-être, mais quelque part, c'est quand même un beau geste. Et ça reste un beau geste. C'est clair. Juste JB, oui? 30 secondes pour rebondir là-dessus, parce qu'en fait, c'est ce qu'a dit Pérez quand il dit c'est pas normal en fait, en gros, pour résumer, qu'on doive acheter des joueurs à des petits clubs. En gros, les meilleurs joueurs, ils doivent être chez nous. On n'a pas à payer ça parce que c'est nous qui vendons tout ça.
Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on devrait juste récupérer les meilleurs joueurs parce qu'on est la vitrine du foot. Ils doivent jouer chez nous. Il n'y a pas de transfert à payer. En gros, c'est voilà, c'est pour confirmer ce que dit Vincent. Et il est dans la caricature, mais en gros, c'est ça son sentiment à lui. C'est les meilleurs joueurs doivent être chez nous, mais on ne devrait même pas avoir à les payer. C'est juste normal, quoi. Oui, bon, peut-être qu'il a une vision un peu déformée des choses, C'est clair. mais en revanche, si on regarde bien la façon dont le Real travaille, la façon dont la Juve travaille, ces grands clubs-là ne se gênent pas pour effectivement dire à des joueurs, allez au bout de votre contrat, et puis après on vous gâtera sur le salaire, mais comme ça nous on ne paye pas de transfert. Souvent ils le font, hein. Le dernier, on peut prendre Rabiot comme exemple. Oui, Ben oui. sacré exemple d'ailleurs. Ben oui. Jean-Baptiste JB, pour terminer, alors je sais que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu as un impératif juste après, faut qu'on parle aussi de la position du Paris Saint-Germain. C'est le club qui nous concerne et accessoirement celui du Bayern Munich. La position du Paris Saint-Germain et en l'occurrence du président Nasser Al-Khelaïfi, finalement, c'était la meilleure, une sorte de wait and see. Ils n'ont pas communiqué tout de suite, ils ont attendu de voir, ensuite ils ont communiqué. Et finalement, est-ce que le grand gagnant aujourd'hui de ce flop qu'est la Super League, en tout cas dans cette forme-là, est-ce que le grand gagnant, et en plus, on a appris hier qu'il a été finalement nommé président de l'ECA, European Club Association, avec l'accent, s'il vous plaît, messieurs. Est-ce que finalement, JB, le grand gagnant, c'est le Paris Saint-Germain et en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, lui qui a, enfin, le club et ce président qui ont été tellement décriés depuis 10 ans, tellement critiqués par justement tous ces clubs qui faisaient partie de cette Super League, le PSG a tiré son épingle du jeu, JB. Ouais, alors c'est là que c'est assez surprenant, c'est-à-dire présenter Nasser Al-Khelaïfi comme un défenseur du football populaire. Je pense qu'il y a 3 semaines, personne ne l'espérait. Voir Jean-Michel Aulas, alors que le PSG venait d'éliminer Lyon en demi-finale de la Ligue des Champions féminines, féliciter Nasser, ce n'était pas prévu. D'autant que Nasser Al-Khelaïfi vient de se faire condamner par la justice suisse sur. Voilà. Motion. C'est énorme. Maintenant, oui, je pense que du point de vue médiatique, d'abord, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sortent grandis. Ça s'est traduit aussi institutionnellement. La position que va prendre Nasser au sein de l'ECA, c'est une vraie chance pour le PSG. Et surtout, ce que je vois, et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça va être aussi important vis-à-vis de l'UEFA. Quand il va s'agir de désigner certains arbitres, quand il va s'agir de mettre les clubs. Non, mais enfin, faut le dire aussi, hein, parce que l'UEFA n'est pas non plus un endroit où la vertu est la chose la mieux partagée du monde. Ah Les bon? fameuses. On est surpris. En gros, un Attekin ou le fameux match de la remontada, je ne suis pas sûr que maintenant on y aurait droit. C'est-à-dire que le PSG va être traité non plus comme un nouvel entrant et un nouveau riche, quelqu'un qui veut perturber l'équilibre, mais comme quelqu'un qui a été favorable à la ligne de Seferi. Alors, faut pas se leurrer. Hein. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on est devenu absolument incontournable. C'est juste que. Nasser Al-Khelaïfi a très bien joué son rôle. Faut pas oublier qu'au départ, hein, c'est un diplomate, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme de contrat. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que les Pérez, etc., se soient engagés à 12. Quand on lit, par exemple, ce que disait Aulas dans l'équipe aujourd'hui sur la réunion de vendredi qui a eu lieu au sein de l'ECA et sur la réunion du dimanche, donc juste avant l'annonce, avec la disparition d'Agnelli, je suis surpris que des hommes aussi intelligents que ça se soient embarqués dans cette histoire-là, soit sans avoir de garantie, soit en disant qu'ils allaient négocier quelque chose derrière. Nasser Al-Khelaïfi a très bien joué, il a observé le rapport de force, il a regardé, il a temporisé, et il a forcément été sollicité, tout comme le Bayern. Et derrière, ils se sont dit, là, la position n'est pas favorable. Pourquoi Nasser a été très bon? C'est parce que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le président ou le propriétaire d'un club, ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi par les socios, il représente un État. Et donc, dans la pratique. Il était en situation de devoir préserver les intérêts de l'État du Qatar. Et la stratégie qatarienne, justement, vis-à-vis du foot, elle est simple. C'est surtout pas de se braquer vis-à-vis des instances, c'est de les intégrer. C'est de peser à l'intérieur et surtout, c'est d'être le plus raccord possible avec elles pour pouvoir en tirer parti. Vous rajoutez à ça le contexte, c'est-à-dire la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et vous comprenez pourquoi Nasser, il s'est pas amusé à faire sauter l'UEFA
et à s'attirer les foudres de la FIFA. Et finalement, ça joue maintenant, en notre faveur. Dans le prolongement, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on a beaucoup critiqué le fait que ce soit du national branding, mais ça veut dire qu'en fait, l'objectif du PSG version QSI, c'est pas de gagner de l'argent. C'est ça, c'est exactement ça. Et en cela, ça peut être effectivement une version moderne du football populaire, parce que il y avait la version, mais oui, mais on en rigole. Mais t'as raison. Mais ouais. Entre des investisseurs américains, un investisseur, faut pas lui envoyer des sauts de merde dans la figure. Un investisseur, il est là pour mettre 10 et reprendre 15. Sinon, il mise pas. C'est pas une fondation, c'est pas l'abbé Pierre. D'ailleurs, Vincent, je te coupe 30 secondes. C'est aussi le cas pour le Qatar avec beIN Sport, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'ils vont injecter beaucoup d'argent. Ils vont perdre de l'argent, hein, par ailleurs. Mais c'est pas une obligation. Ils n'ont pas le couteau sous la gorge par rapport à ça. Et si je peux ajouter un truc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir Manchester City y aller. On a toujours présenté de manière impropre la stratégie des Émirats Arabes Unis dans le foot comme reposant aussi sur la même chose, le soft power, en tout cas le national branding. C'est pas vrai. Parce que si vous êtes justement dans la recherche d'une image internationale plus valorisante, jamais vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est là où on voit la différence justement avec le Qatar. C'est que le Qatar a un objectif de long terme, mais qui n'est pas économique. En tout cas, pas dans ce cadre-là. L'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. Et ça explique la position du PSG. Et pourquoi City y est allé. Aujourd'hui, les voir reculer, je pense que ça... Je ne vais pas dire que ça fait jouir une bonne partie du Qatar. Mais ça doit en amuser 2-3 quand même. Yacine, selon toi, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, justement, sur la position du Paris Saint-Germain et le fait qu'il n'ait pas été dans les 12 tout de suite. Beaucoup ont dit et ont repris l'argument que vient de citer Jean-Baptiste sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Est-ce que selon toi, sans cette attribution de Coupe du Monde, est-ce que selon toi, le PSG et Nasser Al-Khelaifi aurait accepté de faire partie d'être le 13e pour cette Super League où, quoi qu'il arrive, Nasser, qui représente, comme l'ont dit JB et Vincent, un État qui est le Qatar, serait malgré tout, aurait pris une position d'attente, aurait attendu de voir ce qui se passe pour peut-être après y aller s'il n'y avait pas eu autant de critiques. Ouais, alors moi j'ai envie de dire, si il n'y avait pas eu la Coupe du Monde, on aurait eu une position plus vrai, entre guillemets, quoi, moins politique. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que même sans la Coupe du Monde, je pense que Nasser n'aurait pas pris une position définitive parce que le faut pas oublier que quand le Qatar achète le PSG, c'est aussi autre chose. On le sait, les intérêts immobiliers en France, à Paris notamment, etc. C'est pas, encore une fois, que le PSG. Et on peut, après, c'est de la politique de toute façon. On peut tout dire, mais moi, je ne pense pas qu'il se serait positionné directement en disant « Oui, on y va, nous, c'est parti. » Parce que, on l'a dit, cette Super League, c'était aussi un grand coup de pied aux championnats nationaux. Et si le PSG, aujourd'hui club numéro 1 en France, avec à sa tête des Qataris, met un coup de pied dans la Ligue 1, mais l'image, elle est catastrophique. Donc, même sans la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il aurait fait ce choix-là. En tout cas, il aurait fait de la politique en se positionnant tranquillement, en attendant. Parce que même le Bayern, au début, il y a eu cette rumeur de dire ils ont pour l'instant dit non, mais ils attendent puisqu'ils ont 30 jours pour répondre, etc. Donc, c'est un peu ces clubs-là. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'ils ont gagné, c'est le fait de ne pas se positionner directement. C'est comme dans la vie, hein, tu peux trouver toutes les excuses du monde. Mais les faits, ce sont les faits. Et les faits, c'est que Nasser et le Bayern ne se sont pas positionnés pour cette Super League et que pendant que tout ça était en route, Nasser se positionnait donc pour être président de l'ECA et que Rummenigge entrait au comité de l'UEFA, au comité exécutif, je crois. Bref, dans une position aussi là en disant « je reste avec l'UEFA ». Donc, ce n'est pas non seulement la position médiatique qu'ils ont pris, c'est en plus l'attitude réelle qu'ils ont eue en disant « non, non, mais regardez, ce n'est pas juste une posture ». On va jusqu'au bout du truc, on n'est pas pour cette Super League. Donc, oui, quelque part, ils ont gagné. Maintenant, il y a une chose que dit Jean-Michel Aulas, et je pense qu'il va être intéressant d'observer, même si on n'est pas naïf, hein, on sait très bien qu'il y a des réformes qui vont arriver, etc.
Mais il y a, je pense, quelque chose de cassé avec ces clubs. Et effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les mois prochains dans le football, même au niveau des transferts. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, peut-être que un Lyon qui va négocier avec Florentino Pérez, avec ce qui s'est passé, au lieu de lui dire, bon, écoute, on peut s'entendre, on s'entend bien à 40 millions, ça part. Peut-être que on va lui dire, non, mais toi, c'est comme ça, mais toi, tu vas payer, c'est 70 pour toi. Voilà, comme l'a fait, comme le font en fait les clubs avec le PSG. Voilà, quand il y a un joueur qui vaut 20, que le PSG se met dessus, il vaut 35. Bah, peut-être qu'il va y avoir une certaine attitude envers la Juve, envers le Real. Il y a quelque chose qui s'est quand même passé. Une question pour toi, puis les autres ont l'occasion de répondre, comme je sais que tu as un impératif. Quid du fair play financier, première question, JB, parce que c'est quand même important, parce qu'on a appris il y a quelques temps qu'il y aurait sans doute un allègement dû à la crise du Covid. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est faut-il sanctionner, et on terminera le podcast là-dessus, faut-il sanctionner ces 12 clubs et quel type de sanction vous paraît adéquat justement pour les 12 frondeurs, JB? Bah, moi, le fair play financier, ce que je vois, c'est que pour l'instant, à part Marseille, le PSG, quelques clubs roumains, Manchester City, il a plutôt été favorable aux clubs historiques. Aujourd'hui, on parle d'un allègement, mais d'abord parce que situation exceptionnelle, le Covid. Maintenant, ça n'empêche pas le Barça d'avoir 1 milliard de dettes. Attends, JB, il y a un petit bruit de fond, je ne sais pas, C'est pas chez pas moi. si vous entendez. C'est chez moi, c'est chez moi. Ah, d'accord, ok, ça marche. Bon. Bah, Vincent fait j'espère les travaux. Donc. que ça s'entendra pas trop. Voilà, si tu peux couper pendant qu'il parle, merci. Et donc, Vas-y, mais... non, je pense que le fair play financier aujourd'hui, il a montré aussi ses limites. Donc, il doit être réformé. Après, est-ce qu'il faut le faire disparaître? Surtout pas, parce qu'il a quand même permis d'éviter un effondrement et un creusement de la dette générale du football européen sur les 10 dernières années. Maintenant, il n'est pas parfait. Il a favorisé les clubs historiques et il faut le faire évoluer. Salary cap. Plafonnement finalement de votre masse salariale par rapport à vos revenus, c'est peut-être des choses qui vont être ça, c'est peut-être les choses positives à faire ressortir. Maintenant, ça, je pense que Vincent ira plus loin là-dessus. Quant aux sanctions, qu'est-ce qu'on va faire avec ces clubs? Là, par exemple, est-ce que l'UEFA se tirait une balle dans le pied en sortant les 3 clubs qui restaient? C'est-à-dire que le PSG aurait été titré sur tapis vert, c'était pas possible. Ils ont des événements qui sont calés, l'UEFA a des droits à respecter. Maintenant, moi j'ai beaucoup aimé la formule d'Aulas dans l'équipe du jour, qui dit qu'on sait comment est le football, il ne faut pas être naïf. Tout le monde pense à des sanctions, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui tout le monde appelle à des sanctions, dans 15 jours les choses seront différentes, et le football amène les intérêts des uns et des autres parfois à converger. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il y ait des sanctions. Regardez, par exemple, les excuses très américaines des mecs de Liverpool, etc. Ils l'ont fait à la Bill Clinton après l'épisode Monica Lewinsky. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Bon, ben bah, voilà. Les supporters ne comprennent L'exercice de la pas. contrition, d'ailleurs, c'est vraiment une spécialité des Américains, j'y Ah, vais, mais hein. c'est un truc anglo-saxon, mais plus encore américain. Maintenant, est-ce qu'on a intérêt à sanctionner aussi ces clubs-là? Bah, je pense pas. Vincent, tu peux remettre ton micro. Voilà. Donc, du coup, la question, il y avait une question sur le fair play financier et d'éventuelles sanctions. Jean-Baptiste, alors si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. J'ai encore 5 minutes, donc c'est bon. Bah, Vous avec restez vous, plaisir, les si gars. tu peux rester. J'ai les mêmes. À ce niveau-là, le fair play financier, Jean-Baptiste l'a dit, a préservé les historiques au détriment des nouveaux entrants, ce qui a été une des erreurs de l'UEFA. Parce que l'UEFA avait intérêt à ce qu'il y ait des nouveaux entrants pour rebattre les cartes, et elle s'est trompée d'adversaire ou de partenaire. Évidemment que le fair play financier tel qu'on l'a connu va être obligé d'évoluer, ne serait-ce qu'à cause de la Covid. Mais moi, je suis pour une DNCG européenne. Complètement. C'est ce à quoi je crois. Je ne crois pas à un salary cap parce qu'il y a une fiscalité tellement différente en Europe. En revanche, il y a un truc qui est assez simple, hein. Il suffit d'être beaucoup plus strict sur le nombre de joueurs dans un effectif. C'est tout. Après, qu'il y ait 25 internationaux ou 25 juniors, c'est le problème du club qui emploie les joueurs, hein. Basta. Donc, être beaucoup plus contraignant sur les effectifs me semble être la solution.
Alors, après, le dernier point, c'était sur les sanctions. Bah, évidemment, non, parce que, puisque JB, on a notre prof d'histoire avec nous, c'est le traité de Versailles. Si on met la tête sous l'eau à ces 12 clubs, bah, ils n'auront plus rien à perdre et ils iront réellement faire leur compétition. Et non seulement ça, mais en plus, les 12 clubs dont on parle, ces 12 noms qui sont de nature à attirer du monde dans votre stade pour les uns et les autres. Donc évidemment qu'il va falloir trouver une forme de sanction qui soit acceptable. Donc est-ce que c'est une amende? Est-ce que c'est une interdiction de recrutement, par exemple, qui réglerait le problème de Neymar Mbappé? Parce que pour toi, Vincent, c'est exclu une éventuelle non-participation de ces clubs-là à la prochaine Ligue des Champions. C'est quasiment impossible. Non, c'est juridiquement très compliqué et, à mon avis, contre-productif d'un point de vue économique. Complètement. Donc, pourquoi faire? Yacine, ton avis, toi, sur les sanctions, d'éventuelles sanctions, est-ce que toi, d'abord, tu es pour? Et si oui, qu'est-ce que tu verrais comme sanction pour ces 12 clubs? Non, je suis pas pour de toute façon parce que, en fait, de sanctionner de quoi? C'est-à-dire que tu as voulu à un moment donné créer quelque chose, tu as voulu essayer d'aller gagner de l'argent, bon, tu es revenu en arrière pour plein de raisons, on s'en fout. Tu vois, c'est comme si je te disais demain, Ramos, écoute, je crois que je vais arrêter par United, voilà, et finalement, je reviens et je te dis non, bah, je reste. Et tu vas faire quoi? Tu vas me dire, bah non, tu es sanctionné, tu fais pas de podcast pendant un mois. Ça veut rien... Non, mais tu vois, ça veut rien dire. Je vais y réfléchir d'ailleurs, Non, mais pour moi, ça veut rien dire. Tu vois, c'est nul. C'est des sanctions qui sont nulles. Tu vas priver des mecs. Bon, voilà, ils ont réfléchi. C'était pourri. Par contre, ce qui, moi, vraiment, le truc le plus intéressant, c'est de réfléchir à une vraie réforme. Sur quoi on peut aller. Tu vois, rapidement, la Ligue des Champions, c'est la compétition qui rapporte le plus d'argent. Pourquoi les clubs ne veulent pas faire l'Europa League? Parce qu'il y a moins d'argent. C'est-à-dire que si tu crées deux Coupes d'Europe, mais que tu mets les mêmes sommes, tu sais que les gens, ils vont te dire la Ligue des Champions, pas la Ligue des Champions. La Coupe de l'UEFA avant, tout le monde la faisait avec plaisir. C'est-à-dire que c'est juste une question de moyens. Alors effectivement, c'est celle qui rapporte le plus, donc c'est celle où tu vas chercher le plus. Moi, je pense qu'il y a une réforme à trouver où tu vas essayer de contenter un peu tout le monde. L'histoire, par exemple, des deux repêchés. Ça c'est nul. C'est-à-dire que tu rates ta saison et en plus on vient te chercher quand même, tu vois. Donc voilà, c'est pas ça les solutions pour moi. Donc en tout cas, je suis contre les sanctions parce que sanctionner pour ces raisons-là, il n'y a pas de. Enfin, ils ont tué personne, il n'y a pas de truc très grave non plus. Et puis sanctionner, effectivement, comme l'ont dit JB et Vincent, ce serait contre-productif parce que ça veut dire vous leur en voulez, etc. Écoute, on leur en veut pas, ça y est, on passe à autre chose. Puis c'est les supporters que tu vas plus sanctionner que le président de club en lui-même. Voilà, en plus, maintenant, sers-toi de ce qui s'est passé pour réellement faire autre chose que ta poule de 36 avec 9 matchs sans aller-retour, avec 3 fois le truc, machin. C'est bon, fais-nous une vraie compétition et arrête. Parce que tout à l'heure, vite fait, pour finir, pour parler du calendrier, ça rajouterait pour celui qui va jusqu'au bout et qui finit pas dans les 8 premiers, enfin, voilà, ça pourrait rajouter jusqu'à 5 matchs par rapport à cette saison. 5 matchs, il faut trouver 5 dates. Quand tu vois déjà pour recaler un match remis, comment c'est compliqué, si tu as 5 matchs à placer, mais c'est injouable. C'est vrai. Un dernier mot, messieurs, Vincent, JB, avant qu'on ne se quitte. Peut-être un mot d'optimisme pour ces prochaines années. L'optimisme, c'est que si vous pensez que la Super League, c'est fini, on a fini d'en parler cette semaine. Eh bien non, il va y avoir une saison 2, saison 3, c'est mieux que 24 heures. Ça va être une série Game of rapide. Thrones, Je me demande si c'est pas Netflix qui est derrière. ouais. J'y vais un petit mot. Bah, outre le fait qu'on espère tous qu'on va marcher sur City et que on aille lever ce trophée au nom du football populaire, ce qui serait énorme. Non, ouais, je pense que cette Super League, c'est finalement un serpent de mer qui va rester encore. Et à un moment donné, quand les esprits seront calmés, tout le monde va se rendre compte que cette nouvelle formule de Ligue des Champions, elle est quand même tout pourrie, quoi. Voilà. Bah écoute, on va finir sur ces sages paroles, si je puis m'exprimer ainsi. Et bah, je voulais vous remercier tous les trois. Merci Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Merci Jean-Baptiste Guégan, auteur, professeur d'histoire. D'ailleurs, école ou pas école lundi, Jean-Baptiste? Ah bah il y aura école, hein. Moi à distance, mais il y aura école. Bon, et bah, bonne rentrée et merci encore Merci. à.
à Yacine qu'on retrouvera dans les podcasts et dans la newsletter de Coach Yacine. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao.